Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est intitulée un haul de rentrée, ce que j'ai acheté pour la rentrée des classes. Du coup, c'est parti. Alors, on va commencer par grain de malice. Je vais commencer par les pantalons. J'ai acheté deux pantalons pour la rentrée des classes. Je sais même pas qu'est-ce que je mettrai comme haut, comme pantalon, parce que voilà. Je vous ferai sûrement. Bah, je sais pas encore. Je voulais faire des photos Instagram avec ces deux tenues et que vous me disiez laquelle je mets pour la rentrée, mais voilà. J'ai acheté chez Grain de Malice du coup un pantalon kaki c'est du 38, il a coûté 40 euros. Il est comme ça, kaki. Kaki avec deux boutons et une tirette. Et en fait, il est juste kaki comme ça, avec les poches derrière. C'est un basique. Et il y en a un, j'ai craqué sur le pantalon. Que je pourrais mettre avec. C'est un pantalon. Mais en fait, quand je l'ai mis, il était un peu. Comment dire? Quand j'ai été l'essayer, il était plissé. Je sais pas comment on appelle ça. Plissé en bas en fait. Pas plissé. Plissé en bas des jambes. En gros, il était un peu plié parce qu'il est, un peu trop grand. C'est du 38. Et il est comme ça. Bon, le bouton, il est super sympa. Je vais essayer de vous montrer. Il est comme ça. Vous n'allez pas bien voir. Voilà. Je vais vous montrer la ceinture qui est super sympa aussi. Elle est comme ça. Bon, je sais pas c'est quoi la matière. Voilà la ceinture. Et derrière, elle est comme ça. Avec des petits boutons. Est-ce que ça va faire le focus? Je pense que non. J'allais pas voir. Ouais, il n'y a pas trop de lumière dans ma chambre, mais bref. Il est bleu. En fait, ça fait un peu comme un pantalon de tous les jours. Bon, il est bleu marine. Vous voyez pas. Vous allez pas voir la couleur, ça va m'énerver aussi. Je vais aller au soleil vous le montrer là. J'ai failli me péter la gueule, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah oui, et le prix, c'est du 38 et il a coûté 30 euros. Faudra que je lave tout ça après. Ensuite, j'ai acheté un pull qui pourrait très bien avec le pantalon que j'ai de vous montrer. Il a coûté 30 euros aussi. C'est un marine, du coup ça peut très bien aller avec le pantalon que je viens de vous montrer. Ça peut bien aller. C'est du S. Il a d'une matière douce et on peut le. Voilà, avec des petites étoiles. J'ai craqué, c'est parce qu'il y avait des petites étoiles de grosses gueules brillantes. Il est trop beau. Et si je commence à faire un peu froid, il peut très bien aller. Là, je sais pas lequel je vais vous montrer. Je vais vous montrer lui d'abord. J'ai pris deux t-shirts. Mais ils sont magnifiques. Et quand je vous dis magnifique, c'est magnifique. D'abord, j'ai pris lui. En fait, quand je l'ai vu, ma mère, elle m'a dit, oh, regarde celui-là. Et du coup, je l'ai pris. Il est trop super. Il est trop beau. Voilà. Il est trop beau, il a un carreau. J'aime pas les carreaux, mais celui-là, ça passe. Il a coûté 23 euros. Et c'est du S. Je sais pas si je mettrai celui-là à la rentrée. Au pire, ceux qui me connaissent, envoyez-moi un message sur Instagram. Même si je sais qu'à chaque fois que je dis ça, les gens le font pas, mais bon. J'ai juste envie de savoir quel haut et quel pantalon je mettrai. Bon, après, ça dépend. Si par exemple, vous votez pour lui. Mais je mettrai le pantalon bleu avec. Si vous votez pour l'autre, je mettrai le pantalon kaki avec. Vous comprendrez pourquoi. Bref, il est trop magnifique ce haut. J'ai pris un autre haut que j'adore. Et si vous choisissez celui-ci, bah, je vais mettre le haut que je vous ai montré. Le pantalon kaki. Il est trop beau à paillettes. Si vous allez voir, je vais vous montrer l'autre côté parce que l'autre côté c'est à dentelle. Il est trop magnifique. Il y a des paillettes. Je sais pas si vous allez bien les voir, les paillettes.
Ah non, vous allez pas avoir les paillettes. Bref. Il y a des petites paillettes dorées dessus. Il est trop beau. Ah oui, et c'est du S. Et il a coûté 20 euros. Et après, on est passé chez Footlooker. Bon, ceux qui me connaissent, s'il vous plaît, envoyez-moi un message sur Instagram pour me dire quel vêtement je vais mettre, quel pantalon je vais mettre, avec quel haut, parce que moi je ne sais absolument pas. Bon, déjà, le pull, ne votez pas pour le pull, je ne le mettrai pas pour la rentrée des classes, ça c'est sûr. Parce que je pense qu'au début septembre, il fera quand même chaud. Dites-moi juste quel haut vous choisissez. Bon, du coup, j'ai pris des Nike Blazer Mid 77. Bref, c'est des Nike. J'ai, en fait, quand je suis rentrée dans le magasin, je les ai vus. Bah, c'est ma mère qui les a vus. Moi, je voulais juste regarder les chaussures. Et du coup, elle m'a dit, oh, regarde celle-là. En fait, elle les a repérées en blanc. Et moi, je les avais trouvées en violet, rose. C'est un peu à lilas, ouais, couleur lilas. Et elles sont trop belles. Je vous les montre. Là, il y a la marque Nike. Là, il y a le petit signe. Elles sont vraiment trop belles. Là, c'est aussi sympa. Elles sont trop belles. Moi, j'adore. Et puisque mes Adidas, bah, en fait, à chaque fois, je me demandais pourquoi la pluie rentrait. En fait, c'est parce qu'elles sont cassées en dessous. Du coup, il m'en fallait vraiment de nouvelles. Comme ça, mes Adidas, que je les mettrai toujours. Je les garderai toujours, mais quand il pleut pas. C'est-à-dire, je pourrais les mettre tous les jours. Et voilà, la deuxième paire qui va avec. Elles sont vraiment trop belles. Moi, j'adore. Bon, faudra que j'aille 10 minutes à l'avance avant d'aller à l'école en bas. Parce, à la, les mettre, parce qu'elles sont un peu dures à mettre. Faut écarter tout et tout. Je vais vous montrer le lacet. La languette, comme elle est sympa aussi. Et la semelle, elle est jaune. Jaune avec une truc. Elles sont vraiment super sympas. Elles sont vraiment trop belles. J'ai juste enlevé l'étiquette qu'il y a dedans. Elles ont coûté 99,99€. 100 euros en gros. Voilà. Bon, celle-là, c'est sûr que je la mettrai avec la tenue que vous allez choisir. Pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon Instagram, vous pourrez m'envoyer un message pour dire quel pantalon je mets avec quel haut. Bon, le haut que vous devrez choisir, c'est le haut à dentelle kaki avec des paillettes. Ou alors le haut à carreaux noir et blanc. Ou alors, quand pantalon, c'est avec le pantalon kaki. Ou alors le pantalon bleu avec la ceinture. Mais soit, si vous choisissez carreau, le t-shirt à carreaux, je mettrai avec le bas bleu marine. Si vous choisissez le haut kaki, je le mettrai avec le bas kaki. Et ces chaussures-là. Bon, je sais pas si ça sera beau l'ensemble. Parce qu'en fait, ça va pas avec tout, ça. Oh, je pense quand même que ça devrait aller avec tout. Parce que c'est un peu un blanc lilas, voilà quoi. Bon, du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Bye bye. Et s'il vous plaît, envoyez-moi un message sur Instagram pour me dire quel haut je mets avec quel haut je mets, s'il vous plaît.